La parole à la défense au procès de l'attentat contre le musée juif. Les avocats de Mehdi Nemmouche veulent convaincre le jury que leur client n'est pas l'auteur des 4 assassinats à caractère terroriste en émettant une thèse contestée et difficile à suivre. Dès l'entame de la séance, la tension est palpable et elle se maintiendra tout au long de la plaidoirie des avocats du principal accusé. Après avoir affirmé sa fierté de représenter Mehdi Nemmouche, Sébastien Courtois promet une farandole de preuves, selon ses mots, pour démontrer son innocence. Car son client, dit-il, est victime d'un complot. Toutes les thèses sur la non-revendication par l'État islamique, on les a fait exploser les unes après les autres. Je dis c'est très sincèrement une boucherie pour les parties civiles. Parties civiles, témoins, enquêteurs et procureurs, des menteurs selon l'avocat de la défense qui attaque aussi les victimes. En même temps, je ne suis pas surpris, en même temps, je suis bouleversé, mais je ne suis pas encore choqué et je ne laisserai pas me choquer. La tâche est ardue pour la défense, démonter les 23 éléments détaillés par le procureur pour prouver la culpabilité de Mehdi Nemmouche. Sébastien Courtois évoque lui l'implication d'autres individus qui aurait piégé son client. Ils seront bien plus que deux, vous savez, mais ça je vais expliquer, on les voit partout d'ailleurs. Il y a les alarmes qui se désactivent, les guetteurs machin, les gars en bagnole, Nemmouche qui arrive de l'autre côté avec son sac de couchage, c'est une histoire de merde. On le sait bien tous, et d'ailleurs à la partie civile, ils rigolent pas hein, pour le moment. C'est grotesque, c'est pas rigoureux. On nous invente des pièces, on nous invente des dossiers, alors que pendant 2 mois, on dit on fait confiance aux jurés. Mais il faut faire confiance aussi au dossier, avoir le fait de dire la décence de parler du dossier, ne pas parler d'autre chose en disant voilà, maintenant il y a un troisième homme qui est arrivé, personne ne l'a vu, il était dans le dossier et on ne prouve rien du tout. Les avocats de Mehdi Nemmouche avaient promis une quarantaine de preuves pour étayer leur thèse. Ils se sont limités jusqu'ici à répliquer aux arguments de l'accusation et des parties civiles. Et nous retrouvons en direct du palais de justice Camille Tanquin. Camille, les avocats de Mehdi Nemmouche ont aussi attaqué les victimes. Ils s'en prennent notamment à Emmanuel et Myriam Riva, le couple d'Israéliens. Oui, Maître Courtois persiste et signe. La tuerie au musée juif serait un assassinat ciblé envers le couple Riva. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils travaillaient pour le Mossad. Selon Maître Courtois, non pas comme comptable, mais plutôt ils étaient chargés de la surveillance d'un mouvement chiite. Alors il pointe également du doigt certaines coïncidences qu'il juge étranges, comme par exemple le fait que l'ambassadeur d'Israël en Belgique aurait eu des contacts avec les enquêteurs, mais il n'existe aucun PV de ce contact. Également, autre point souligné, une fois l'identité des Riva connu, les enquêteurs auraient caché volontairement leurs fonctions, car ce n'est qu'en 2016, soit 2 ans après les faits, que l'on a su qu'ils travaillaient pour l'État d'Israël. Enfin, Maître Courtois s'est attaqué également à Alexandre Strenz, une des quatre victimes. Il dit qu'il est actif dans des groupes sionistes sur Facebook et que le jour de la tuerie, les enquêteurs ont retrouvé sur son lit une valise déjà faite, comme s'il voulait s'enfuir. Alors pour les avocats des parties civiles, la défense fait ici plutôt le procès des victimes, alors qu'il s'agit du procès des accusés. Je vous propose d'écouter Maître Ramet, avocat de la famille Riva. Cet axe de défense ne m'étonne pas du tout, puisque depuis le début, on assène des théories complotistes, l'on se fait passer pour des victimes, l'on se fait passer pour une victime d'un complot. Tout le monde en voudrait à Mehdi Nemmouche, mais on se demande bien pourquoi. Alors Camille Tanquin, la défense annonçait également des explications sur le mutisme de Mehdi Nemmouche. Est-ce qu'on en sait plus à ce sujet ? Eh bien, pour l'instant, Valérie, pas un mot sur le silence de Mehdi Nemmouche, pourquoi il a toujours refusé de s'exprimer, pourquoi il refuse encore de parler aujourd'hui. Mais la plaidoirie de Maître Courtois n'est pas finie, il peut encore s'en expliquer d'ici les prochaines minutes.